belge. Fumucée du belge numéro 40, nouvelle et copieuse. Livraison enregistrée début mars 2024. Salut et bienvenue. Jacques de Pierrepont. Alors, la section archives, mission première de ce podcast, est dédiée dans quelques 12 minutes. Allez, 15, un petit 15, un gros morceau, très gros morceau, le Watermoulin, lieu emblématique de la scène de tournée qui fête en mai 2024 ses 15 ans d'existence. Et puis avant cela, quelques bribes de l'actualité chaude de la période fin 2023, début 2024, et en guise de mise en bouche, ceci. Romano Nervoso qui fait sa fête à Halloween avec ce morceau Digital Only, It's Halloween, sorti fin octobre 23, dispo via le Bandcamp du groupe. Bah, c'est la plus récente trace enregistrée du prolifique pilier de la scène glam rock de la Louvière depuis 15 ans déjà, mais plus pour longtemps, puisque le jour où s'enregistre ce podcast, il y a aussi la release partie au Rock Hill de Charleroi du tout nouvel album de Romano Nervoso, le cinquième. Parution donc mars 2024, titré From Villa Rosa to Rotterdam. Retour aux sources, chanson courte et directe, nous dit-on. On le découvrira dans le Fumucée du Belge 41. Tout comme on évoquera aussi l'anthologie Marine, parue fin février 24. Marine, c'était l'éphémère groupe New Wave funky du début des années 80 où officiait Marc Dumaret avant le double grand virage que furent la création de Allez Allez sans Marc et celle de la Muerte avec Marc en 1983. Alors, on déboulait à la charnière 2023-24, Tokyo Witch, Fact Theory, Particules et Vacant. Tokyo Witch d'abord, le projet solo de la chanteuse-guitariste du groupe Eosine, la liégeoise Elena Lacroix. Les atmosphères shoegaze du groupe, se font plus personnelles, plus introspectives. Et Tokyo Witch propose un 7 titres nommé Skin Like Feathers, une peau comme des plumes, donc, tout en douceur. Et comme le dit Elena, pour qualifier la chose, ambient dark folk est le sujet de Skin Like Feathers,
tourne autour des sept péchés capitaux. Pour rappel, l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. On en extrait Season of Size, Tokyo Witch. Tokyo Witch Season of Size, la saison des soupirs, extrait du 7 titre Skin Like Feathers, sortie digitale fin 2023, la sortie physique en vinyle est prévue pour le printemps 2024. Particule ensuite, deuxième album pour ce duo bruxellois, elle, Ali aux machines, lui, Steph à la guitare, et les deux aux voix. Alors le premier ouvrage de Particule était sorti en vinyle en 2021. Je vous renvoie au Fumset du Belge numéro 29. Et ce nouveau est digital only pour le moment en tout cas. Alors son titre Heaven Gone sur le label Exit Does Not Exist Records. Bon, particule toujours très heavy dark wave, tonalité industrielle, en gros entre Siouxsie et Nils Reb, mais avec aussi par exemple la rage d'une Lydia Lunch. Ça donne par exemple Fascist Sons. Fake.
Particules fascistes Sons du nouvel album digital Heaven Gone, et puis Fact Theory, trio darkwave mélodico-poétique bruxellois mené depuis 2018 par l'hyperactif Bruno Heutersprott. Et le nom du groupe Fact Theory rend hommage au fameux label anglais des années 80, Factory, donc aussi quelque part à Joy Division, influence revendiquée de Fact Theory, mais Fact Theory est moins sombre. Alors, voir le titre d'ailleurs du premier full album paru en février 2024, Serenity in Chaos. Voilà, c'est bien, on oscille entre deux extrêmes. Alors ce Serenity in Chaos, premier album complet, arrive après une tripotée de singles et de EP, 6 en tout, qui ont été proposés entre 2019 et 2022. Là, je vous renvoie au film du Belge 28 et 31, ou au Bandcamp du groupe Fact Theory sur ce Serenity in Chaos. Voici La Jeunesse Éternelle. And his own truth forever. And yet, to find takes us a lifetime to get there. All you need is a wonder, and nothing else matters. Fact Theory, Eternal Youth, quand on parle d'enchevêtrement, de noirceur et d'optimisme, joli titre. En parallèle, Bruno est aussi l'auteur de plusieurs livres, illustrés par son complice, le graphiste Stéphane Barbery, ancien musicien de Digital Dance. Et ce sont des bouquins qui mêlent souvenirs de jeunesse et fiction.
Il y a eu les deux volumes des chroniques New Wave, années 80. Il y a eu les chroniques roumaines. Et le quatrième livre vient de sortir, titré Chronique 90s, une post-modernité de l'obscène. C'est son sous-titre aux éditions K1L du côté de Jodogne. On y reviendra. Bon, et pour te dire, je déteste faire ma promo, mais bon, il m'a demandé d'en faire la préface. Mission accomplie. Et tant qu'on y est dans la promo, l'histoire du Festival de Dour, tome 2, année 2000-2010, vient de sortir et on peut le trouver via le site de l'imprimeur, le site en papier, toujours comme le premier, avec le journaliste borin Pascal Thiers. Voilà qui est dit. Enfin, rayon anarcho-punk du côté de la structure Arrege. Arrege, les Binamés, Slugs, la Marmite, etc. Du côté d'Arrege, donc, arrivé le 1er janvier 2024 d'un 7 titres nommé Balance ton corps, c'est le deuxième ouvrage de Vacant de ses cendres. Le premier, Vacant, datant de 2019. Alors, Vacant de ses cendres, c'est un quatuor brabançon qui opère en français, chant féminin, un zeste de synthé 80, rythmique tagada tagada, et comme ils disent eux-mêmes, approxy punk existentalisto politico écorché, Vacant de ses cendres, l'album Balance ton corps, on écoute entre nous. Fume, c'est du belge, numéro 40, direction donc Tournai et le Watermoulin. Le Watermoulin, une grande bicoque, tout en briques sombres, pas très loin de la gare, boulevard Eisenhower, entre voies ferrées et sites industriels désaffectés, et à l'instar, par exemple, du magasin 4 à Bruxelles ou de la zone à Liège, liste non limitative évidemment, l'endroit est beaucoup plus qu'une simple salle de concert. L'effervescence créative est vraiment au rendez-vous. C'est un lieu de rencontre entre musiciens, un espace de résidence. On y trouve aussi des locaux de répétition, un atelier de sérigraphie pour les posters, flyers et pochettes de disques. Ça s'appelle vraiment de l'économie intégrée. Une microbrasserie aussi pour ne rien gâcher. C'est vraiment de l'économie tout à fait intégrée. Et aussi un label. Le tout au service d'un grand raout de noise rock, post-punk et garage rock, tout ça malaxé, mélangé. Le label se nommant Love Mazout.
Alors bon, le rock dans le Tournaisis, ça ne date pas de 2009, puisque le Watermoulin a fait ses 15 ans en 2024. On se souvient par exemple, dans les années 80-90, de Rank Zeroes, Damien V et d'autres, et même plus loin dans le temps de la Maison des Jeunes Mazur 14, qui existe toujours, et qui est la vénérable doyenne des maisons de jeunes en Wallonie, puisqu'elle a été créée au début des années 70. On se souvient aussi, du côté de Tournai au début de ce siècle, des Coffee, Fucking Canaries et autres. Il y a aussi Rayon Festif, le genre de groupe, attention, festivité locale, Scarbone 14, Corbillard. Il y a bien sûr Adolina de Moucron, mais intégrant des musiciens de Tournai, véritable parrain de la génération Watermoulin et qui existe depuis la fin des années 90. On y reviendra à ses passés plus lointains et à Adolina d'ailleurs dans le prochain Fumisset du Belge, le numéro 41. Donc le Watermoulin, espace incubateur, ferment d'émulation permanente et c'est peu dur. Alors ben, on va remonter le temps. Le tout premier groupe à avoir investi le lieu avant même sa création officielle, c'est Dee Marvin Gaye, né en 2006. Première plaque en 2011. Un album sans titre qui a été une belle secousse dans le monde du rock garage. On en extrait Seducer. En 2011, album sans titre, 11 titres bien énervé. Il y aura ensuite un EP 6 titres en 2012 et un deuxième album, Sleepless Nights, en 2014, en coproduction avec un label allemand, le berlinois Alien Snatch Records. Alors, Dee Marvin Gaye se distingue notamment par la présence forte de la bassiste-chanteuse endiablée Lulu Sabat, que l'on retrouvera ensuite dans d'autres groupes de tournée, Vision 3D et Male Idiot Therapy. Et là, petite parenthèse, c'est une habitude vraiment ancrée de la scène que de se mélanger, et le brassage permanent est vraiment poussé à un haut degré. Nombre d'entre les intervenants sont impliqués simultanément ou non dans deux voire trois projets, chacun d'entre eux en soutenant d'autres. Bon, par exemple, outre Lulu Sabat, on va citer Rayon Masculin, le bassiste dandy Tom Raznor, qui est aussi une des chevilles ouvrières du Watermoulin, dont il est un des programmateurs. Tom Raznor, actif depuis 1999 dans une flopée de formations Out of Stock, Fucking Canaries, Maria Goretti Quartet, et puis Unicubic, les Carolos de Spaghetti Orgasmont, Baya Computer, ouf, sans compter le projet solo industriel expérimental Tax Up en 2010.
Alors, fin de la parenthèse, maillon essentiel de la scène watermoulienne, dès 2008, un quartet franco-belge, Lille Tournée, nommé Maria Goretti Quartet. Première démo en 2009, premier album en 2010, dont on vous propose Owls. Maria Goretti Quartet, ce premier album sera suivi de trois autres entre 2010 et 2013, un hippie, un split et un second album. Et ce premier album de Maria Goretti, sans titre, fut aussi le premier à paraître sous l'étiquette Love Mazout, label dont Raznor, encore lui, est un des fondateurs et meneurs. Alors Love Mazout, à l'heure où on vous parle, en 2024, c'est une bonne cinquantaine de références. Quand même, c'est pas mal. Un outil indispensable aux groupes locaux, mais pas que, et qui, comme d'autres, fonctionne souvent en co-co-co-production. Par exemple, Tandori, le label Tandori sur Lille, Rock Hill Records sur Charleroi, Black Basset Records sur Charleroi aussi. Et Love Mazout va aligner ensuite le premier album des Marvin Gayes sous l'identifiant LM05 et la majorité des titres que vous propose ce Fumce du Belge numéro 40 se trouvent sur Love Mazout. Alors, autre formation pionnière de la scène, après des Marvin Gayes rayon Garage et Maria Goretti Quartet rayon Noise, voici Inequity. Quintet Hardcore qui va livrer 3 hippies et un album entre 2010 et 2013, en autoproduction, lui. Et de la dernière plaque, le Seasons Hippie, on extrait Constraints. Like a
Perpetuity 2010, et donc Terminus en 2013, et certains des musiciens du groupe vont se retrouver ensuite au sein de Sextape, Pedigree, entre autres. Dans ces années-là, 2010-2013, on citera encore un éphémère trio punk hardcore, Edith and Two Mans, avec l'album Hit Me début 2012. Bon, comme souvent, les albums dont on parle dans ce film C'est du Belge numéro 40 ne sont plus disponibles en format vinyle, vu que ce sont la plupart du temps des tirages limités, mais bien en format digital sur les bandcam des groupes. Alors, Edith and Two Mans est quand même mal nommé, car il est composé de trois mecs, et on y retrouve une reprise saignante sur cet album Hit Me. Et on va voir si vous reconnaissez la chose. Ça s'appelle Lady, 50 secondes, pas plus, Lady comme d'Armanville, reprise à la tronçonneuse de Cat Stevens, fallait oser. Et puis il va débouler Sextape, issu pour partie de Iniquity, mais aussi de Edith and Two Mans. Tout ça est quand même vachement endogamique. Et Sextape, c'est du dead garage, comme ils disent, punk encagoulé, avec des allures de messe noire mélangées parfois à du surf rock. Leur adresse électronique est assez amusante. jointhesect.net. Premier hippie des Sextape en 2013. Voici Yes Harder. On ne pourra jamais les contrôler. C'est des fanatiques. Sextape, première plaque en 2013, Yes Harder, on va pas vous faire le coup de la traduction au plan langue. Et sur le label Love Mazout, c'est le numéro 12 déjà. Second hippie en 2015, et puis en 2017, Sextape arrive avec un album complet, We Are All Pink Inside. Et pas que Inside d'ailleurs, puisque bon, ben, le vinyle est rose, d'accord, mais la pochette l'est tout autant. Enregistré au Watermoulin et publié sur le label Carolo Rockrill. On l'a déjà évoqué, cet album, dans le Fume, c'est du Belge numéro 5. Alors PS, ce sont aussi les musiciens des Sextape, des grands potes au bruxellois Mountain Bike.
dont le batteur d'origine ennuyère fut initialement celui des Marvin Gaye. Faut s'y retrouver. Ouf. Autre formation éphémère du côté de Tournai Watermoulin, autre trio nommé Japans. Ses membres étant issus, eux, de... c'est vraiment une enquête policière. Ses membres étant issus de Maria Goretti, Sextape, Edith and Two Mans. Les Japans qui livrent en 2014 en autoproduction un 7 titres nommé Ama. On écoute Get a Dog. Japans, vous avez entendu, volontairement simpliste, le groupe se qualifiant d'ailleurs de trio de dégénérés. Arrive alors un groupe qui va s'avérer un maillon essentiel de la chaîne tournaisienne, unicubique. Un pied à Tournai, l'autre à Lille, amalgame de post-punk, de funk, d'afrobeat, de krautrock, de jazz fusion et même de psychédélisme façon gang. Unicubic, en fait, c'est un peu comme un super groupe, comme on disait dans le temps, un all-star band, enfin all-star rock band, vu qu'on est en Belgique. On y trouve des membres de Adelina, Kofi, Maria Goretti, Quartet, Louis Minus 16 et Kermesse à l'Est. Très diversifié au niveau stylistique. Donc, premier album en 2014, il sera suivi en 2016 de l'excellent Maximum Axis, dont on vous propose ce titre, Cab.
cab comme taxi, donc Maximum Axis, le deuxième album de Unicubic. Et la pochette est réalisée par un artiste flamand connu, l'illustrateur et bédéaste d'avant-garde Brecht Evans. Et en fait, ça colle tout juste, puisque ses compositions images bigarrées sont bien raccord avec les compos zik tout autant bigarrés du groupe. Unicubic, qui est revenu en 2022 avec une troisième plaque Feng Shui, évoquée dans les fumées du Belge 30 et 31. Et puis en 2016 aussi, ça va, vous suivez toujours. Bon. En 2016 aussi arrivent Baya Computer et Full Contact. Baya Computer, synthé, basse, batterie. Là, on a droit à un alliage carolo-tournisien. On y retrouve un mountain bike, un Japans, et deux membres des Spaghetta Orgasmond, dont le tournésien Tom Raznor et le carolo Stefan O'Maltin, actif aussi alors au sein de Duflan. Ouf, ce qui va donner le 45 tours Stevie Smith, coédition Rock Reel Love Mazout. Baya Computer, le 45 tours Stevie Smith en 2016. Depuis, Baya Computer n'a pas chômé, l'album Disco Glass en 2018 et l'album Golden Teeth en 2021, évoqué dans les fumées du Belge numéro 10 et 29 respectivement. Et Baya Computer, visiblement, est beaucoup plus qu'un groupe éphémère. Full Contact ensuite,
qui réunit, lui, des membres de Marvin Gaye's Sex Tape et, moins connu, des membres de Pregnant Teens et Darwin Theory of Evolution. Et Full Contact propose un EP 6 titres nommé Spit and Blood, dont voici la plage titre. Contact, ben, dernière trace discographique du groupe, un split single avec les Quepons Grindcore Anard Flamand de Agathoclès en 2019. Et la Sarabande de continuer avec Ultra Turquoise. Rien à voir avec l'autre groupe turquoise. Ultra Turquoise est un duo minimaliste d'inspiration surf psyché punk très 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 lo-fi et qui a sorti coup sur coup début 2018 deux EPs de singles et occult opening du deuxième. Voici Breathalyzer. Your breath on my shoulder, I can see the world where we go. I am so slow. Turquoise. Le chanteur-guitariste Gabriel Verfaille proposant ensuite sous le même nom un album, mais qui est en fait un album solo, titré Jean Orange en 2019. Bref, on a quand même affaire à une sacrée pépinière et on en arrive au 10e anniversaire de Watermoulin en avril 2019. Pour fêter l'événement, l'équipe propose un album collectif en vinyle, son titre Total Cathédrale. Et le menu est copieux. 14 titres, tous inédits. On y trouve tous les groupes qui répètent à ce moment-là au Watermoulin, plus des invités amis comme Adolina, Monosirène et Spaghetti Orgasmond.
Les aguerris sont là, Adelina et Ubicubic. De jeunes pousses aussi, tels Pédigré et Vision 3D. On revient à ces deux-là dans quelques minutes. Mais là, tout de suite, eh bien, on va vous proposer trois extraits pittoresques de ce grand Barnum vinélique qu'est Total Cathedral, dans l'ordre bipolaire Kursk et Blood in Belgium. Alors, Bipolar and the Space Fuckers d'abord, ben, ce sont les mêmes que Sextape, mais sous une autre accroche. Ils se définissent comme étant du space punk, matiné d'électro hardcore, et en fait, ils aiment bien jouer avec les clichés en fer blanc d'une certaine science-fiction des années 50. Bipolar and the Space Fuckers, l'inédit J.J. Alien sur cette compile Total Cathedral. Polar and the Space Fuckers, j'adore quoi, les enculeurs d'espace. Et puis J.J. Alien, on se dit c'est peut-être un hommage à un des grands maudits du punk rock radical nihiliste américain, J.J. Alien, peut-être. Bipolar a publié un 6 titres sur KLVR Records, un label punk indé de Dunkerque. Et oui, les ramifications tournésiennes se font de plus en plus loin. C'était en 2018, cet hippie se nommant « We Not Come In Peace », comme disent tous les envahisseurs extraterrestres. Et puis, sur cette compile Total Cathedral, il y a aussi Kursk. Kursk, éphémère, power, trio, psych, prog, kraut. On écoute... ce titre, Every Cliff and Sick Hill Glad On. Et puis on va se demander d'où vient ce nom, Kursk. Thank you.
Kursk sur la compile Total Cathédrale, et d'où vient le nom de celui du sous-marin nucléaire russe disparu par le fond en Arctique en l'an 2000. Et le titre de l'unique album de Kursk paru en novembre 2019 nous donne la position exacte de l'épave, latitude et longitude, 11 degrés 33 00 nord, 92 degrés 14 00, etc. Et l'album était sorti en vinyle et CD en double coédition Rockrill Humpty Dumpty Records. Le bandcamp du groupe, attention, petit piège, c'est krsk.bandcamp.com. Et puis, troisième extrait de ce Total Cathédrale, une belle bande de givrés qui ne fonctionne pas au soft. Forcément, quand on s'appelle Brood in Belgium, c'est du punkcore de fermentation haute, si j'ose dire. L'équivalent picard des Namurois de Beverly Hills ou des Liégeois du Mambasa Blues Band. Et ils sont cinq sur le fût. 3 aux instrus, guitare, basse, drums, et 2 à s'époumoner, ce qui donne sur la compile Total Cathédrale ceci. Avec Sin, et puis le groupe a sorti un album en 2017, In Beer We Trust, bravo, qui se clôture par un magistral aveu d'autodérision, Born in a Trash. Voilà donc pour ce Total Cathédrale de belle facture. L'objet est enrichi d'un poster signé Elzo, et évidemment le vinyle est déjà devenu un objet de collection. Alors le disque physique, il fut tiré à 313 exemplaires, évidemment. Mais toujours dispo en digital via le Total Cathédrale Bandcamp. En général, un Bandcamp est dédié à un groupe, voilà, un Bandcamp dédié à une compilation. Et on y trouve dans cet album une chouette bafouille de présentation où l'on lit notamment ceci.
Je cite, « On pourra remarquer que dans les groupes présents sur cette compile, il y a pas mal de consanguinité. Je ne sais pas qui a le record, mais il y a une paire qui joue dans trois, voire quatre groupes. Et puis un peu plus loin dans le groupe, continuant à foutre un joyeux bordel, on peut que mâcher, les Tournaisiens sont là. » Mâcher en picard de tournée, commencer. Et donc, fin 2018, début 2019, une nouvelle bordée de projets, Made in Watermoulin, une nouvelle génération. Pedigree et Vision 3D sont au coude à coude, première plaque respective en mars et avril 2019. Pedigree, quand on parle de consanguinité, là c'est carrément l'orgie. Hein. En quatuor, les musiciens viennent des Marvin Gaye, Sextape et Unicubic. Ils ont donné un galop d'essai dès 2017, mais le vrai démarrage, c'est en 2019, un vinyle 10 titres nommé New Freak. On écoutait un de leurs premiers titres, Gifted Loser, sur ce dit titre New Freak, auquel vont succéder un mini-album 7 titres Connected en 2020 et un deuxième full album Runaway en septembre 2023. Je vous renvoie respectivement au film C'est du Belge 24 et 38. Et le dernier album, Runaway, va battre un autre record puisqu'il est coédité par 6 labels différents, belges et français. Rockrill Records de Charleroi, Don't Trust the Hype de Lille Emergence de Rouen, et puis encore Louis Pleur Records, Pang Pang Records et Crapoulet. Vision 3D maintenant, trio issu pour les deux tiers des Marvin Gaye's. Eux, ils auront vraiment eu une belle descendance. Et pour un tiers de Maria Goretti, idem d'ailleurs, pour la descendance. Vision 3D égale Lulu Sabat, chant et basse, Sed, guitare, Calamity, batterie. Et en fait, on a droit à une sorte d'héritage pop punk briton qui mélange Buzzcocks, Slits, mais aussi yéyé français, genre Clotilde. C'est bien tranchant, dansant. Vision 3D propose un premier EP au printemps 2019
quatre titres Speedy Gonzalez chantés en français, dont le sarcastique féministe Fais un effort, déjà entendu dans le film C'est du Belge numéro 19. La chose a vite été épuisée. Et puis, Vision 3D sort un premier album à la fin de l'été, coédition Belly Button Love Mazouz, dont on extrait Stress. Vision 3D sur le premier album. Et puis Vision 3D reviendra au printemps 2022 avec l'album Hypnose. Là, je vous renvoie au Fume ça du Belge numéro 34. Et on va retrouver les mêmes dans une autre aventure parallèle de Male Idiot Therapy en 2021 avec l'album MIT en numérique et cassette, et qui lui a été signalé dans le film C'est du Belge numéro 29. Et dans le genre « Viens qu'on s'emboîte fougueusement », on citera encore fin 2022 Amino Acid Club avec l'album New Age. Là, vous filez sur le film C'est du Belge 36, et là, on a affaire à un quatuor Amino Acid Club où se frottent des membres de Vision 3D, Pedigree et Marcel. Ah, les pseudopodes tournésiens s'étendent de plus en plus loin, puisque Marseille, groupe Noisy Punk, est originaire d'Arlon. Et si j'ai bien suivi, le guitariste de Marcel devient le bassiste et chanteur de Amino Acid Club. Marcel, encore un groupe ami venu d'ailleurs, comme Mountain Bike, Spaghetta, etc., etc. Bon, on en oublie par exemple les Benjamin Juvéniles de la tribu Princess Elena, 13 ans, ou de Cryptids, 15-16 ans, pas plus. Un petit dernier sur la route de tournée, et en virage stylistique d'ailleurs, avec Ocean Encounters, combo metal Gencore, créé en 2015, rejoint fin 2002 par la chanteuse Lola, gros mouvement de line-up. Une nouvelle mouture de Ocean Encounters propose déjà un deux titres en digipack en août 23.
déjà épuisés, mais on peut les écouter sur YouTube. Et puis, ils ont été finalistes fin 2023 du concours Circuit. Et un album est en préparation, à l'heure où s'enregistre ce podcast. Et de cette hippie digipack déjà introuvable, on extrait Re-Fanatical. You're making the mistake of thinking that you own this place. I feel like I should break your face, but you're kind of a disgrace. So all I'm really gonna do is put you back, gonna put you back in your place. I'm gonna put you back, gonna put you back, put you back in your place. Ocean Encounters, Fanatical, sur le EP, Fanatical. En fait, je me suis toujours demandé, donc j'ai quand même été voir finalement ce que ça veut dire en anglais, RI, ça veut dire concernant, tout simplement. Voilà. Bon, conclusion à propos de tournée. Ben, la scène se distingue quand même par une solide capacité d'accueil, avec des émanations lancées un peu partout. Et on peut se demander pourquoi. Peut-être parce que les frontières, le Watermoulin vit dessus, et donc a tendance à les enjamber, histoire de ne pas trop se sentir à l'étroit. Il y a vraiment une solide complicité rock entre Tournaisy, avec les voisins français du Nord, les autres voisins flamands de Courtrai, un peu à l'image d'un festival annuel qui s'appelle Tour de Chauffe, qui se déploie un peu partout en novembre chaque année, et depuis 17 ans, sur un bassin de 5000 km² qui couvre 137 communes quand même, soit le territoire de l'ensemble Eurométropole, Lille-Courtrai-Tournai. Et pour
conclure ce Fumes du Belge, ben quand même un méga remerciement à différentes personnes de tournée qui m'ont aidé à me retrouver dans tout ce sacré bazar. À commencer par Sébastien d'Unicubic Giga, merci à lui. Et merci évidemment à Maxime, comme d'habitude, d'avoir enregistré et monté tout le truc. Bye 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 you. Fume, c'est du Belge.